Salutations à tous. Aujourd'hui, petite visite du potager au décembre. Pas très joli. On peut constater au fond, sur la droite, qu'il y a des côtes de blettes en pousse spontanée. Les artichauts qui sont là, encore des côtes de blettes en pousse spontanée. Pareil ici. Les fameux poireaux qui sont montés à graines. Quelques fleurs aussi. Du fenouil, il reste du persil. Ici, il y a des radis. Alors, c'est des radis qui sont complètement balèzes, je pense. C'est un grand radis. Comme ça. Je vais en prélever un ou deux. La taille qu'ils font. Hop, c'est le plus petit. Il a été bouffé. Ici. Voilà. Et on va prendre un autre. Voilà ce qu'on peut récolter. Sur cette partie ici, donc c'est un peu mort, mais là, c'est pas exceptionnel, c'est pas dégueulasse non plus, c'est juste comparé avec ma main, pour les fûts. Et j'en ai une autre sur une partie là-bas que je vais vous montrer. Ils sont un peu plus petits. Sinon, c'est assez vide. Ah, les côtes de blettes qui sont énormes. On va comparer. Bon, le problème des côtes de blettes là, c'est plein de fil maintenant, donc du coup, bon, ça se mange, hein. Pas de soucis. Et sinon, il y a les salades qui sont montées à graines aussi, la roquette qui est montée à graines. Qui est chez Fagours. Je pense pas que c'est si viable que ça, c'est tout petit. Donc voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis qu'il y en a d'autres.